Petite explication, et après vous me cassez plus les couilles parce que vous allez comprendre. Non, les amis, je ne suis pas un dictateur. Non, la k La k n'est pas une dictature. Désolé. Désolé. vous ai dit, putain, on va enfin pouvoir leur taper dessus. Pas encore, la team. C'est pas votre jour encore. Va falloir être encore patient. N Explique pas pitié. Si, parce qu'il y a des gens qui vont me casser les couilles après. J'explique. Ça dure deux minutes. Et après, tous ceux qui vont venir casser les couilles sont permaban. Et, et c'est rentable, tu vois. C'est rentable. C'est rentable. En gros, vous vous souvenez, Newsera qui quitte le roster en plein milieu du split, etc. Il dit qu'il va faire un tweet longueur, etc. Nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'on lui a dit, attends la fin de la saison régulière. Parce que là, il y a l'équipe qui joue et tout. On ne voulait pas que ça les affecte néga négativement pendant le split, ce qui est logique, tu vois. Et après, tu pourras dire ce que tu veux, tu vois. Genre, on t'aide même à écrire le bail. Et, euh, et voilà. Et sauf que lui, je crois, il a compris. Il a compris. Après le LCQ, c'est pour ça que là tout à l'heure il a dit j'ai pas le droit de le tweet, etc. Mais là du coup c'est vu avec lui et il va le sortir son tweet longueur. Donc on peut continuer le live, voilà, c'est fini